Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de la série Dex High avec le nouveau roi de Normandie, le roi Roland, qui a donc succédé à son père Eginolf le Téméraire, mort à 66 ans. On en était en pleine guerre. J'en étais au moment où je voulais renvoyer mes troupes pour mater la révolte tout en continuant les sièges en Angleterre. Donc on est parti de plus belle. On va débarquer à Mortain quand même, on va y aller tranquillement. Hein, bon, enfin, tranquillement, je me comprends, quoi, pas comme des gros furieux non plus. Voilà, il fuit. Parfait, ça va arrêter immédiatement la bataille. Enfin, le siège, pardon. Ah, ils savent plus trop quoi faire là. Et on va leur tomber dessus. Ici. Et n'en faire normalement qu'une bouchée. Eh bien longue cette sauvegarde automatique. Eh bien. Ah bah décidément. Alors attendez, je vais regarder. Attends, j'ai rien de bien méchant au fond qui tourne. Je vais quand même... Hop, voilà, on va fermer ça. Ça devrait être mieux pour la prochaine fois. Allez, on va les écraser. Voilà, ok, appuyé, terminé. On va réembarquer et on va aller ici pour voir si on arrive à tomber sur les troupes anglaises. Donc on continue notre siège du Sussex qu'on a quasiment terminé. Voilà. Alors le roi qui était en chemin pour venir ici, visiblement il l'est toujours. On va l'attendre, hein, parce que c'est lui qui va se prendre le malus. À moins qu'il annule. Hein. Ouais, il a annulé. Allez, paf. Je sais pas si je peux aller aider. Oui. Bien sûr que je peux aller aider. Roland, notre fils, a brillé dans sa... voilà, notre héritier. Voilà, il a brillé. Bon, c'est un bien grand mot, mais... enfin, écoutez... Il a malgré tout réussi, il est en mariage avec elle qui est héritière du comté de Chester. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin. Pourquoi pas? Est-ce que là on a tout? Oui, là on a tout. Donc on va aller faire, je sais pas moi. Bah Warwick, allez. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Alors ouais, notre héritier est non marié. Les fiancés peuvent se marier. Alors après, j'aurais pu ne pas le faire et lui chercher quelqu'un de mieux, notre héritier. Qu'est-ce qu'on a de dans le monde comme femme titrée oui. Non, rejoindre cour, non. Mais au lignage, oui. Marié, non. Test de Powys. C'est une Normande, très bien. Femme, mon groupe religieux, mon groupe culturel, non, on va mettre toute culture. Femme, femme, titrée, oui, mariée, non, adulte, oui. Oui, on s'en fout ça à la limite. La reine de Castille. Et pourquoi pas? Je pense pas qu'elle acceptera, hein, mais je pense qu'on peut peut-être lui trouver mieux, notre fils, quand même, là. Bon. Rompre des fiançailles, cela diminuerait le nœud du chef... Ouais. Hop, on va annuler. Arranger un
Non, arranger des fiançailles entre elle et mon fils. De toute façon, matrilinéaire, oui, bien évidemment, mais sinon, bien évidemment que non. Elle préférerait maintenir matrilinéaire. Ça. Faites voir combien on a, parce qu'il n'y a pas tant que ça en fait de différence. 6 plus. 9, 10, 11. Et on a combien de moins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y aurait presque moyen quoi. Hein. Je serais curieux d'essayer de. J'y crois pas trop, mais. Bon, allez, envoyer un cadeau. Ça coûte cher. Ah, j'ai presque envie de le faire, hein, juste pour voir, parce que je suis sûr qu'on pourrait. Hein. On va plutôt essayer d'améliorer les relations avec le royaume de Castille, juste pour voir. Elle a 12 ans, hein, donc faut pas trop traîner non plus. Donc elle règne sur Osma, pardon. Ok. Hop, 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 toi, tu vas là. Essaye d'améliorer les relations avec elle. On n'est pas pressé. Le chapelain. Oh bah, ce sera lui, notre nouveau chapelain. Il va faire des recherches culturelles ici. Lui va faire des recherches militaires plutôt ici. Bon, m'en voilà. On peut sortir de notre cachette et on va le faire. On va se réassumer maintenant que, en plus, notre fils est grand, au pire. Et on va reprendre le commandement de certaines de nos troupes. Si on peut. Oui, on peut. Allez hop, voilà. On est reparti à la guerre. La régence a pris fin. Que puis-je faire pour me faire aimer de la princesse Maud? On n'est pas très expérimenté, mais ça ne devrait pas être trop dur. Je vais lui enseigner comment gérer ses ennemis. J'espère que ça va marcher, ça. Je suis pas sûr que c'était le meilleur plan, hein, mais. Ouais, elle a pas trop kiffé. Bon, ça m'étonne pas. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, hein, en même temps. Ouais, le roi anglais est en train de se faire lyncher. Il n'y a pas d'autre mot. Le monde est un endroit dangereux où les conspirations sont légion. Vous entendez dire que certaines personnes complotent de tuer votre fille de maison. Eh bah, dites-moi, il y en a des complots dans le coin. Il va falloir essayer de se faire aimer dès que possible. Non, là on n'a pas de complot sur lequel on peut agir en tout cas. Par lui qui m'emmerde, mais. Notre demi-frère, Clarimont, bah elle s'appellera Clarimont, peu importe. J'accélère vite fait. Les fiancés peuvent se marier. Notre courtisan. Oh non, je m'en fous. Enfin, j'annule. Parce que vu que c'est un commandant, j'ai pas envie d'en chercher un autre. Chercher un forgeron, on va se calmer. Notre fils lui donner un titre, on va attendre un petit peu. Et on a 98%. Voilà, on est à 100%. Lui, du coup, hop, on lui propose une vassalisation. N'est pas monseigneur de jure, légère différence de rond. Ah ouais, d'accord, donc en fait, il veut pas. Ah d'accord. Bon, au pire, ça va être vite vu, hein. Je vais déclarer la guerre, mon gars. Ça va être très très vite vu. Hein. Enfin, je sais pas si je peux, d'ailleurs, mais... Ah, mais je pensais pas que... Non, je vais pas chercher à me cacher. Je sais que je pourrais, hein, parce qu'apparemment... Toi et toi, je vous libère.
Elle. La comtesse du Vexin. Putain, avec tous les traits négatifs que t'as, toi. Pas révoquer ton titre, bien sûr que non. Comploter pour la tuer. On pourrait comploter pour la tuer. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Ouais, allez, admettons. Donatus Lambert m'a contacté pour me demander si elle m'intéressait d'apprendre davantage sur les roses. Apparemment, sa dernière réalisation implique une variante rouge foncée croisée avec un type particulier de rose jaune-rouge. On va envoyer quelqu'un récolter quelques-unes de ces roses. On va pas spécialement y aller, hein, mais... par contre, toi... Herbert de Normandie... par contre, si toi, tu me fais chier... Non. Pouvoir, oui, n'est pas mon soutien de jure, légère différence de rang. Légère, je suis juste un roi, espèce d'enculé. Et tu veux pas. Ok. Je peux pas durer pestite tout de suite, avant 5 ans même. On est arrivé à monter la relation avec elle. Ah bah notre chancelier est mort ou je ne sais pas. Il a réussi une fois et puis il a disparu, visiblement. Et lui va devenir conseiller, donc normalement il devrait devenir meilleur. Non, avant quand il voulait devenir conseiller qu'on le faisait, il gagnait des points, ça doit plus être le cas. Où est-ce qu'elle est la reine? Elle est tributaire, très bien. Arranger des fiançailles entre elle et mon fils. Ah, elle veut, eh. Mais elle est au courant que ça veut dire que derrière... on va le faire. Ça veut dire que je récupère tout ça après, moi. Bah écoutez, ce serait assez grandiose, hein. Voilà, louons l'ordre des Dominicains. Parfait. Le duc a forgé une alliance, très bien. Alors lui, du coup, il est devenu indépendant, hein. Je suis ravi pour lui, mais moi ça m'intéresse pas. Vassalisation forcée, voilà. Si on déclare la guerre, je perds 1000 de prestige. Si je gagne la guerre, j'en gagne 100 et ça devient, et il devient mon nouveau seigneur liege. Mais c'est ce qu'on va faire. Hein. Je m'en fous de... Tant pis pour les 1000 de prestige, hein. Ça fait chier, je suis d'accord, mais... On va lui faire une vassalisation forcée. S'il accepte pas... Ouais, ouais, il y a vraiment un complot contre nous pour être assassiné, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Ah, on va tenter d'assassiner la comtesse Ide. Oui, faut que je lève mes troupes quand même, moi. On va aller vite, très vite s'occuper d'eux. Alors, genre très vite. Hop, on y va. Elle est tombée. Voilà, ça fera une faction de moins contre moi. Maintenant, il faudrait s'occuper de lui si c'était possible, mais ça a l'air compliqué. Par contre, on peut l'emprisonner. On va finir cette guerre-là et on va voir pour l'emprisonner, hein, parce que lui, j'en peux plus. Mais vraiment, il est en train de me rendre un peu fou, là. Hein. Voilà, 4000 troupes. Alors, nous, lui et lui, c'est parti. Ok, ils se sont barrés. Alors, on va leur faire ça, ça va leur faire tout drôle. Normalement, on devrait arriver avant eux. Ah, non, parce qu'ils sont partis à côté. Le duc a usurpé le titre de duché de Gloucester. Ah, il est devenu incapable et il a les deux. Il est double duc. Très bien. Et son héritier, pareil. Est-ce que je peux lui demander de faire le partage salique à lui? Non, hein. Demander que le Gud capitule dans la guerre de revendication sur Gloucester contre le... Ouais, non, on va pas faire ça. Parce qu'on a assez perdu de prestige comme ça quand même, pour autant.
On va faire ça plutôt. Voilà, on va leur tomber dessus. Pan, malgré le malus. On va remonter. Oh là là, je suis désolé, je fais quelques petits misclics. Rien de méchant, cela dit. On va aller là. On va aller ici. On va se dépêcher de prendre tout ça. Ça va aller assez vite. Au pire, on va déclencher des assauts s'ils sont pas trop nombreux. Ouais, on va le faire. On perd des troupes un peu bêtement, mais ça accélère complètement le phénomène. Alors, que puis-je faire pour me fermer la princesse Maud? Non, on va pas faire ça encore, parce que ça avait pas très bien marché la première fois. Putain, on manque sérieusement de bons commandants, là. Y'en a pas un, là? Ouais, va-t'en. Ça coûte cher, hein, les commandants, hein, punaise. Allez, lui, on en fera un commandant. Ça va être le commandant de notre escorte. Au passage... On va aller juste bloquer ces troupes-là. Hein. Si on y arrive, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait le temps. Non, on n'a pas eu le temps. Notre intendant n'est plus. Bon, lui, il a 22. Notre courtisan. Allez, on va le prendre. Rechercher des progrès économiques. On va déclencher l'assaut. Voilà, il y a quelques troupes qui vont remonter vers chez moi, mais même pas, je pense qu'il va s'enfuir avec. On va redéclencher l'assaut. Et on va redéclencher l'assaut ici aussi. 97%, on va aller là. Voilà, je sais que ça fait des troupes perdues, hein, mais c'est pour gagner du temps. Alors, lui, il est quoi? Il est hérité du comté de Vexin et d'Essex. Ok, donc éventuellement, ça pourrait basculer. Bon, pas très méchant. Et encore, ça ne sera peut-être pas le cas. Ok, 949 troupes, on va lancer l'assaut dès que possible. Et puis, bah, il va être vassalisé. Hein. Pas comme s'il avait eu bien le choix. Et après, on regardera tranquillement un peu tout ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, bisous. Ah, voilà, regardez tout ça là, tout est relié, ça commence à ressembler à quelque chose. En fait, j'avais dit qu'on prenait le sud de l'Angleterre, on va même un peu plus loin que ça pour le moment. C'est parfait, on va ranger ça. Ah, merde. Ah, j'ai mal rangé, du coup j'ai perdu des troupes. Alors c'est bizarre parce que pour moi ils étaient chez moi pourtant ceux-là. Indirectement, ils étaient chez lui, donc chez moi. Et puis ma revendication. Bah, finalement, tu m'aimes bien. Tu voulais pas me rejoindre, mais en fait, tu m'aimes bien. T'es un peu bizarre, toi. Ok, bah, ça m'indique que j'ai perdu pas mal de troupes. Ah, effectivement, j'ai perdu des troupes. Il va falloir attendre qu'elles se remobilisent. Ouais, bizarre. Je suis allé tellement confiant parce que c'était de ma couleur. Et bon, on est une menace. J'ai l'impression qu'on me surveille et que l'on sent. Et que l'on me suit semble avoir disparu dans la nuit. On n'est plus paranoïaque. Très bien, donc on est une menace, on peut usurper le titre du duché de Mercy. Mais on va le faire. Parce que voilà. Alors, on va le faire, on va peut-être pas le garder hein, par contre derrière. Parce que trop de titres de duché, c'est pas bon. Alors, deux jures, c'est ça. Ok, donc ça, ok. On va le donner à quelqu'un là-dedans. C'est un vassal puissant, bah, c'est le comte d'Evreux. Alors toi tu peux te faire maître, si je puis me permettre. Mais je vais m'occuper de ton cas très prochainement toi. Oh même pas, fiançailles rompues parce qu'ils convoitent le titre. De toute façon je vais leur laisser parce que moi je n'en veux pas. Hop. Donc on a dit le duché de Warwick, il est là. De jure, il est là, ok. Ouais, mais toi t'es possédé, je vais pas le donner à lui quoi. Alors lui il se cache, il est ivrogne. Oh, bah putain, ils sont beaux, tiens. J'ai trop de duchés, oui, ça c'est normal. Bon, écoutez, on va le donner à lui. Il a une héritière, elle est héritière du comté de Chester. Je m'en fous, honnêtement, c'est pas très grave, on va lui donner à lui. On inclut tout ce qu'il y a dedans.
Voilà. Il est duc de Warwick. Ok. Ouais, ok. Donc il y a un petit complot contre moi quand même. Bon, la menace est pas énorme et elle devrait descendre assez vite. J'espère que ça va être le cas. On peut soutenir des choses. On peut emprisonner lui. Alors, où est-ce qu'on en est de nos troupes quand même? Parce qu'on en a un peu moins. On a pas mal de choses à surveiller. Dans cet épisode, je voudrais absolument voir ce qui va se passer de ça. Donc elle est toujours en vie. Lui, il est toujours en vie aussi. Lui, il a 14 ans, donc c'est impeccable. Le 27 mars de l'année prochaine, il en aura 16. Il devrait pouvoir se marier à elle, donc rejoindre la cour. Je devrais pouvoir lui donner un titre, et ça devrait être bon, j'espère. Après des années de planification minutieuse, Gervasius de Braavos avait formé une armée d'exilés. Ah, c'est dommage parce que je t'aimais bien, toi. On lui souhaite bonne chance. Visitant le monastère, blablabla. On gagne pas mal de sous. On va payer, ça devrait plaire. J'attends un petit peu et puis je partirai en pèlerinage comme on me l'avait demandé. Un nouveau maître espion, lui il est italien. Le comte d'Evreux, tu peux aller te faire maître. Lui il nous aimerait bien. C'est pas le meilleur mais il nous aimerait bien. Donc voilà, tout le monde fait son job. La guerre, il y a des guerres, ouais, ok. Titre pouvant usurper le royaume... Je peux usurper le titre de roi d'Angleterre ? Oh là, my god ! Bon, on va le faire. Waouh, 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 waouh. Triple titre de roi, quoi. Roi de Normandie, d'Angleterre, de Bretagne, duc de Normandie, duc de Kent. Ouais, tellement que le duché de Kent, je pense que je vais même finir par pas le garder, en fait, quoi. Waouh. Ah ouais, putain, ça commence à péter, là. Waouh. Putain, la vache. Bah ça y est, on est roi d'Angleterre. Alors, ce qui veut dire que, du coup, tout ce qui en est... Tout ça, là, c'est des rois. Alors, on peut leur proposer des vassalisations. Ils veulent pas, bien sûr. Ouais, le pays a ça a explosé complètement le pays. Oh, le prestige. Bon, on n'a pas gagné tant que ça, je veux dire, encore, mais... Ok, j'ai un fils en terre, ça me donne des malus. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme titre? Le comté de Kent. On va lui donner le comté de Kent, tiens. De toute façon, on le récupérera derrière. Voilà, déjà, il a plus de malus. Chaplin, c'est qui lui? C'était notre rival, mais il est pas mort lui avec tout ce qu'on lui avait fait? Ah bah non, il est pas mort, j'aurais mieux fait de le planter, tiens. Alors, on a essayé d'inviter un bon saint homme à la. Wow, pour exceptionnel, contrairement. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, tiens, toi, Raymond. Progrès culturel. Waouh, eh ben. Ça, c'est de la news, hein. Mon œuvre de financement de célébration de la relique a été bien reçue. Patron d'une relique, et on gagne encore des bonus. Les membres de la cité ont apprécié notre célébration. Waouh! Franchement, là, ça commence à claquer. Hein. Titre duché de Bretagne. Ouais. Putain. Oh là. Ouais, et ben voilà. C'est pas mal, hein? Franchement, je suis plutôt content, hein. On peut se cacher, mais on ne va pas le faire. On est une menace, oui, on sait. Lui risque de perdre. Bon, c'est le temps qu'il fasse des gamins, ça devrait pas tarder. Je vais pas rejoindre la croisade balte. Hein. Je vais refuser pour le moment. Voilà, les troupes des vassaux, je suis au courant. Les commandants de Normandie, je peux en nommer deux. Toi, tu serais parfait. Et toi, bah, mon fils, non, peut-être pas. Il a quoi en compétence 9. Si, notre fils, on va le prendre aussi. 15, voilà. Alors, est-ce qu'on a récupéré des troupes? Pas tant que ça, mais on en a énormément. Est-ce qu'on peut révoquer lui? On peut faire des trucs de révocation. Bon, l'avantage, c'est qu'on est roi maintenant, donc... Comté d'Evreux, est-ce qu'on aurait du soutien? Moyen. On va voir si on peut quand même lui proposer de révoquer à... On va avoir 80%. Est-ce qu'on peut augmenter... C'est un complot, hein. Donc si j'envoie lui... C'est quoi? C'est le comte d'Evreux. Ok. Si je l'envoie... Le maître espion tisse un réseau d'espionnage là.
Ça augmente la puissance du complot, donc on peut faire la proposition. Alors, il veut pas. On va bien voir. Mais en tout cas, on va lui proposer. S'il veut pas, ça va être vite vu. Il n'a pas réussi. Alors, c'est la guerre. Ok. Bon, y a pas de problème, mon gars. Tu me fais pas peur. Et tu me saoules surtout. Alors, Ouais. On va lui tomber dessus, là. Ça va être un peu décousu, mais on va lui tomber dessus. Et ici, tout le monde là. Ça, bateau. Et on va là. Bon, ça va être... Non, voilà, on va le pack défensif s'est dissous. La menace se réduit, tout doucement, déjà. Bon, alors là, on perd. Bon, je suis peut-être allé un peu à l'arrache, hein, je suis désolé. Les temps sont durs, mon fils a eu d'étranges rougeurs irritantes et une forte fièvre. Je viens d'informer que son affliction va faire la rougeole. Ah merde, le physicien. Au secours. Alors, attendez, parce que là, toi, tu viens là. Non, alors, hop, j'essaie de faire un peu toujours de la micro-gestion. Tac, ici. Et ici, on va tous se regrouper là, voilà. Vous en faites pas, ça va aller. Oui, j'ai perdu, je sais, c'est parce que j'ai vraiment mal géré. Alors... Ouais, je me prends trop la tête, c'est trop chiant là. Voilà, c'est mieux. Ensuite, là, on va attendre vite fait. Et qui est en rapport, c'est arrivé jusqu'à vous concernant votre maréchal, Louis. Il semble que vos soldats étaient utilisés pour faire de l'extorsion auprès des paysans. Ouais, je m'occuperai de ça plus tard. C'est pas le moment de gérer ça. Hein, on a déjà assez de choses à faire. Là, on va faire ça. On va aller ici. Pardon, faut pas que je me rate. Hop, et avec eux on va aller là. Voilà. Héritier non marié. Ben, c'est mort ce que j'avais fait là. Ben, les fiançailles avec elle. Ben, ouais, il est non marié, mais. Mène des troupes. C'est à cause de ça ou... Bah, il y avait bien des fiançailles quand même. Alors j'ai des fiançailles. On regardera ça après. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Allez, on attend les renforts, voilà. On va pas faire long feu le comte d'Evreux, moi je vous le dis. Tac, tac. Donc on dirige des troupes, on n'avait pas un ailier. Si, parfait. Un commandant motivant, allez. Ouais, très bien, un pack défensif contre moi, ça me fait pas bien peur. Allez, voilà, on va écraser ces troupes au comte d'Evreux. Ici, on continue le siège. On va mettre notre fils, qui est déjà là, et Botolf. Voilà, parfait. On peut parler de stratégie avec la princesse Maud. Et lui, il va bientôt avoir l'âge, donc il faut que sa mère tienne encore le coup. La réponse a été froide. Bon, très bien. Je crois que je vais arrêter avec elle, de toute façon c'est plus la peine, elle est toujours à ma cour, hein. Ouais, impeccable. Lui, bah on va aller faire ses sièges, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Le duc de Somerset a hérité du duché de Somerset.
Alors ouais, c'est juste que là, alors lui il est bien duc de Somerset. Et lui il est double duc par contre, on peut pas lui révoquer un titre. Hein. Non. Et on peut toujours pas faire capituler face à Somerset, ouais. On va lui demander de faire ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais il est disposé à capituler, cependant serait dévastatrice et vous devrez une faveur. Le duc de Somerset a usurpé le titre de truc de Gloucester, très bien. Je sais pas pourquoi trop j'ai vraiment fait ça, parce que je comprends pas, c'est un peu. Je pensais que ça ferait autre chose en fait, je pense. Ouais, alors non. T'en prendre à mon escorte, toi. Alors, je sais pas si ça va fonctionner là pour le coup de l'escorte. Défenseur. J'aurai même pas le temps de le voir. Parce qu'on l'aura tout simplement défoncé. Ouais, alors je suis désolé, hein, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de choses qui apparaissent. C'est un peu le bordel. Diplomatie. Et ben voilà. On va faire une conseillère, elle. Comme ça, elle va bien nous apprécier. Un petit assaut, parce que voilà. On va lui tomber dessus. Parce que voilà. Ici, ça se passe bien aussi. En aspirant à mes titres, le prince Teudric engage les hommes dans le but de m'attaquer. Un prince d'Angleterre. Un projet en marche. Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà quelque chose. Une menace d'aventurier. Ok, on va voir ça. D'ici là, on devrait avoir fini notre guerre. Votre femme vous a envoyé un cadeau, c'est un petit chiot de pure race destiné à devenir un excellent chien de chasse. J'accepte ce généreux cadeau et on va l'appeler Fidèle. Ok, c'est lui la menace là. Combien il a de troupes? Au moins, je ne sais pas. On a un peu d'argent. Est-ce qu'on peut essayer un petit peu, ouais, de calmer les autres là, parce que ça me saoule. Voilà. Le pacte défensif s'est dissous, comme d'habitude. Ça tient rarement bien longtemps ces histoires-là. On va bientôt être au mois de mars, donc on va voir ce qui se passe. Il faut pas que je rate mon coup. On va faire un assaut. Tac. On va bientôt prendre Évreux, hein, c'est surtout là où on doit. Voilà. On va aller l'attaquer ici. Malgré le malus, on s'en fout. Ce personnage nous doit du coup une faveur. On verra ce qu'on en fait. Mes troupes se battent excellemment mal et je bombe le torse par fierté alors qu'on continue à avancer. Je me retourne pour répondre à l'appel d'un soldat à proximité quand soudain je reçois une douleur aiguë dans ma poitrine. Serrant les dents, j'entends lui crier « Restez baissé, barbare lâche !» Je ne pense pas, je vais affronter le commandant Herman en duel. Cette option est disponible parce que vous avez une compétence de combat personnel basse. Bon, il est pas beaucoup mieux lui, mais bon. J'accepte n'importe quelle blessure si cela protège mon pays. J'obtiens code fracturé pendant un an et je 80% de chances de perdre la lâcheté. On va faire ça. Voilà. On a une petite blessure, mais je vais pas tenter le duel dans la foulée. Je voudrais pas perdre ça. Pas mourir comme ça, quand même. Les fiancés peuvent se marier. Ça y est. Visiblement, c'est possible. Ils appartiendront à la dynastie de la mariée. Et lui, je peux lui accorder un titre foncier. On va lui donner le comté du Maine. On va inclure tous les titres. Et du coup. Bah là, c'est ce que j'aimerais bien voir, quoi. Alors, j'imagine que c'est bon. Mais sauf si c'est. Je sais pas. Là, franchement, c'est de la pure spéculation.
Est-ce que je peux l'assassiner, elle? Pour moi, je peux rien faire, mais j'aurais bien aimé l'assassiner. Ou qu'elle meure. J'aurais vraiment aimé voir si c'était bon ou pas. Donc, au niveau conseiller, qui c'est qu'on pourrait prendre? Notre fils, le comte du Maine, mon neveu. On va prendre le neveu, tiens. Ou notre femme. On va prendre notre femme, tiens. Parce qu'après tout, c'est notre amie, on l'aime. Elle voterait pour nous, donc. Allez. Un petit assaut, impeccable. Le chien grandit, on gagne du prestige. Allez, j'attaque, je sais que je vais perdre des troupes, mais je veux vraiment... Bon, là, j'ai perdu. Vous voyez, j'aurais pas dû attaquer. Ah, le gros con. Ouais, je suis trop gourmand, c'est parce que je veux vraiment accélérer la fin de la guerre. Ouais, j'en ai marre d'être en guerre, là. Donc, j'acquiers le comté d'Evreux, excusez-moi. Donc, lui, même pas. Est-ce que je peux l'emprisonner? Ben, on devait l'emprisonner à la base d'ailleurs. Ça n'a pas. Ah non, c'est pas un emprisonnement que j'ai fait. Ah, vu qu'il est coupable de trahison, on ne s'y opposera pas. Donc on va lui enlever un autre titre. On va lui enlever celui-là. Ah, il est capable de refuser. Merde, j'ai pas vu qu'il pouvait refuser par contre. C'est bon, il a accepté. Est-ce que je peux lui révoquer l'autre? Non, je pense qu'après, ce serait trop abusé. Voilà. Là, il est bien affaibli, ce petit gaillard. Voilà. Bah, il m'a cherché en même temps. Lui, on peut le racheter. C'est bon. Là, je peux rendre mes troupes. Parfait. Là aussi. Allez, c'est temps qu'il faudrait que l'armée se refasse un petit peu. On peut rechercher un forgeron. Non, on va pas le faire. Par contre, on va pas le faire. Soyez bénis. Alors, est-ce qu'elle, on pourrait l'assassiner? Ouais, c'est assez faible. C'est quand même assez faible. L'héritier du titre de comté d'Arborea. Mais pour moi, vu qu'il a un titre chez moi, ça devrait être bon. Hein. Ah, le fameux aventurier, je l'ai oublié, lui. Ouais, il n'y a pas une grande puissance de complot. Hein. Non, bah écoutez, on verra bien. Hein. Ah, une aventure contre moi, alors je sais pas tout ce que ça va donner, mais... Lui, on va essayer d'améliorer les relations avec lui pour le calmer. La duchesse, on va lui envoyer un cadeau. Et on va voir, on va demander... Alors oui, après, il faut que j'aille voir aussi... elle est où? Elle règne sur Van? Ok. Donc toi, va à Van, s'il te plaît. Alors, pourquoi on peut plus faire de fiançailles entre elle et mon fils? Qu'est-ce qui se passe qui fait que... Mon héritier... Il est bien ma cour. Il est fiancé à elle? Mais va crever ! Proposons que... Ouais, si tu veux, je m'en fous, mais non, mais je veux pas. Mais putain, mais pourquoi... Mais... mais non, mais tu... Non ? Pas annulé? Putain, mais elle avait accepté l'autre, mais t'es vraiment un gros débile, hein? Bon, faut attendre 2 ans maintenant. Ah oh là 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 là, je vous jure. Comte du Maine. Bah, pour moi, c'est bon, mais. On peut organiser un banquet. C'est parti. Héritier non marié. Ah bah oui, voilà, c'est parti. Alors. Mais ça se trouve, elle va plus vouloir maintenant, grand malin, quoi. Ah, je comprends rien. Ne pas restreindre, ok. Alors, j'ai des fiançailles. Mais il est où? Ah oui, il a un titre. Mais oui, je suis con, je lui ai donné un titre. Mais quel abruti! Je peux plus décider pour lui, putain, mais je suis vraiment un gros con. Je suis con.
J'ai complètement cassé le truc, quoi. Mais j'ai pas pensé, je pensais pas que ça ferait ça. Ah bah ouais, mais voilà. Putain. Je suis un gros, gros, gros boulet, quoi. Je suis vraiment boulet, hein. Imagine la sortie, ouais. On peut emprisonner Louis de Bourbon. Je sais plus pourquoi. Mais j'ai pas envie. On peut emprisonner lui, mais non, c'est bon. Mettre fin au complot, il veut pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Lui, ouais, bah, c'est bien. Ce qu'on aime le plus, c'est faire ça. C'est bon. Les préparatifs, on invite. Ouais, bah, toi que tu viennes pas, j'espère bien que tu venais pas. Bah oui, mais il devrait se marier, mais quel... Oh putain, mais on vient de passer à côté d'un truc de fou, là. Ah, vous allez me maudire, hein, franchement. Vous allez me maudire. Bon, et sinon, on peut pas récupérer pacifiquement un de ces territoires-là Non, bah, de toute façon, je peux rien faire entre elles. Oui, entre elles, mais moi, je peux pas prendre mon fils, quoi. Mon fils, il est. Pourquoi je vais donner un titre aussi? Bon, il revendique des titres chez moi. Bon, qu'il fasse gaffe, hein, parce que je suis pas ridicule quand même. Bon, là, c'est vrai que j'ai besoin de troupes, hein. On a discuté, une forte amitié est née, c'est très bien. J'ai veillé à me placer auprès de la plus jolie femme, et lors du banquet, je n'ai cessé plus de remplir son. C'est ma duchesse. Ouais, non. Même si je veux améliorer mes relations avec elle, peut-être pas à ce point-là. Oh là 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 là, l'imbécile. 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 Bah tant pis. C'est un fiasse. Alors le comte, lui... Oh bah lui, il vient me casser les couilles. Il s'inquiète pour son fils non légataire. Ça aurait de le considérer pour faire un nouveau vassal. Donner le comte de Leicester à son fils. Il me devrait une faveur. Qu'est-ce que je pourrais lui demander derrière après? Ah bah, je veux bien si derrière il arrête le complot et on n'en parle plus. On va faire ça, tiens. Allez. On va donner ça à son fils. Et mettre fin à un complot. Voilà. Ça t'arrive de me casser les couilles. On se déteste toujours, mais au moins on s'arrange. Hop, toi. Ouais. Après, il faudrait que je regarde un petit peu si les duchés sont bien respectés, hein. Normalement. Il y a un duché là, ici ou pas? Oula oula, deux jures, attendez. Mais ça peut-être qu'il faudra que je le fasse. Non, c'est le duché de Bretagne. Deux jures, ok. Ça c'est aujourd'hui, ça c'est deux jures. Donc ça, il faudrait transférer. Il faudrait que je fasse plutôt. Il faudrait transférer le vassalage. Je sais pas si je peux le faire ça. Ça c'est particulier à gérer, j'aimerais bien parce que j'aime bien quand c'est propre, mais faudra peut-être que je regarde ça entre les épisodes. De toute façon, on va bientôt arriver à la fin de celui-ci. On donne de l'argent toujours pour augmenter notre truc, et je pense qu'on va essayer de partir en pèlerinage, on me l'avait proposé. Participer à partir en pèlerinage. Revendications, les vassaux, rechercher un forgeron. Des revendications ducales. Ouais, mais on n'est pas pressé. Lui, on va l'emprisonner. Et en fait, on va le relâcher.
ou le bannir. On va récupérer des pièces d'or. On va le bannir, voilà. Comme ça, j'ai plus le message. Maréchal, eh ben lui, il nous apprécie en plus, donc c'est parfait. Il forme des troupes. Menace d'aventurier. C'est vrai que lui, il est toujours là. Je peux toujours pas l'assassiner, je crois. Bon, non. Ah ouais, c'est un descendant de William le Conquérant. Obtenir un titre. Je sais pas combien de troupes ils sont censés avoir, mais bon. On peut redonner le titre de commandant de Normandie, on va le donner à lui. Bah ouais. Bon bah là j'ai mal géré, je le sais. Allez, on continue vite fait encore un peu. Mon objet de financement d'une célébration de la relique a été bien reçu, ils apprécient. Oui, donc on va partir en pèlerinage. Et on va aller à Jérusalem ou à Rome. On va aller à Rome. Voilà. Et on va arrêter l'épisode là, sur ce départ pour le prochain épisode de la semaine prochaine à Rome. Donc voilà, une fois de plus, le pays est éclaté ici. Il va pas falloir qu'on traîne trop pour essayer de le réunifier quand même. Voir à qui on peut... Bon, je pense que si je propose de son dévassalisation, hein, comme j'avais vu tout à l'heure, la grande majorité sera contre. Ouais, ils sont pas très très chauds. Mais bon, au pire des cas, par la force, vassalisation forcée. En perdant... Ouais, on perd beaucoup de prestige hein, quand même de faire ça. Mais bon, au pire, on a des revendications de jure. Hein, donc ça, par contre, maintenant, c'est l'avantage d'avoir ce truc-là. Donc voilà, bah écoutez, ça commence à être plutôt sympathique, tout ça. Hein, on commence à avoir un petit score assez sympa. La taille du pays qui a bien augmenté, on a 20 sur 25 vassaux, 3 sur 7 en taille de domaine, on a plus de 1000 de piété, 3000 et quelques de prestige. L'or, bon, on en a plus, ça rentre, ça vient. Mais voilà, le petit roi, le roi Roland est pas trop mal, on verra ce que donnera le roi Roland 2. Mais pour moi c'est pas mal, alors ça pareil, bah, j'ai du mal à me rendre compte, mais pour moi c'est bon. Hein. Ça y est, lui, comte du Maine, j'espère qu'il va pas mourir, c'est tout ce que je demande. Notre nièce, au pire, deviendrait héritière s'il meurt. Mais on peut pas l'inviter à la cour, donc ouais, non, faut vraiment que sa mère meure, absolument même. Il faudrait vraiment qu'elle meure, mais j'ai l'impression que ça va être très 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 compliqué de la tuer. Ouais, y a pas foule, hein. Ouais, bon, bah écoutez, je ne sais pas trop, on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi une fois de plus pour cette nouvelle semaine de Crusader Kings 2. Comme quoi, vous voyez, il y a encore des choses à faire. Hein. On est devenu roi d'Angleterre. On commence à unifier le pays un peu plus sérieusement. Si ça, ça s'en va, franchement, ça va être juste magnifique. Parce que là, vraiment, tout est lié. Il n'y a plus de trous entre les trucs. Bien sûr, on va supprimer tout le vert et tout le reste. On va essayer de prendre toute l'Angleterre. Et puis après, pourquoi pas continuer sur la France. Franchement, je suis super content de la partie. J'espère que ça vous plaît toujours. Il y a encore des... Moi, enfin voilà, comme je disais, honnêtement, il y a encore du temps. 137 ans qu'elle a démarré, je pense qu'on peut en faire encore autant. Moi, je suis bien chaud pour continuer. Alors, ça dépendra de vous. Mais si vous avez bien envie que ça continue, n'hésitez pas à me le dire. Et franchement, ce serait avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, merci pour votre soutien, votre présence et tout, je sais que je me répète et je vous le dis souvent, mais vraiment ça me fait vraiment plaisir, du fond du cœur, parce que j'ai beaucoup hésité à me lancer, et là, franchement, je regrette pas de l'avoir fait. On va débloquer la construction navale, tiens, pour améliorer un petit peu les ports, juste avant de partir. Chantier naval, ouais, on aura un peu plus de bateaux à certains endroits, ça va pas faire de mal, hein, de temps en temps, un petit peu... Voilà, ça coûte pas très cher et ça permet de le faire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous, portez-vous bien, des bisous et à très vite. Salut !